Bonjour, je m'appelle Yazine Mansouri, je joue au FC Lorient, je suis capitaine de la sélection algérienne et puis bon, je m'amuse avec mes collègues là à les filmer, donc en route, suivez-moi. Yazid Mansouri au cœur de la sélection algérienne. À sa façon et dans la bonne humeur, il nous présente ses coéquipiers à 24 heures du choc face au Brésil. Oh Nadir, ça va ou quoi? Ah, c'est une belle affiche, on joue contre le Brésil et j'espère que ça va aller. Hein. Et Ronaldinho, tu penses le crochet, hein, voilà. Notre Ronaldinho nous regarde. Même coup, parle. Même jeu, technique et tout. Ah, petite pomme. Le lendemain, derniers instants en famille avant le départ pour le stade de la Mosson à Montpellier. Et les Algériens découvrent l'ambiance qui les attend. Un accueil digne d'un match de Coupe du Monde. Les Algériens savent déjà que les 30 000 spectateurs leur seront tout acquis. On a vu le monde qu'il y avait sur la route. Je pense que le stade, ça va être chaud bouillant. Hein. Si, on n'est pas solidaires. Si on les regarde, quand on va se réveiller, les gars, ça peut faire mal. Hein. Et les Algériens appliquent parfaitement les consignes de Jean-Michel Cavalli. 23e minute, Ziani lance Saifi à la limite du hors-jeu. Le Lorientais tente d'éliminer Donny avant de s'écrouler. Pour le banc algérien, il y avait pénalty. Il prend le pied d'appui. 0-0 à la mi-temps, mais Kaka et Ronaldinho vont entrer en jeu en seconde période. Point, l'Algérie 0-0, mais vous rigolez, il va dire Dunga. Mais vous rigolez quoi? Je vous donne 5 minutes pour marquer un but. Et avec Ronaldinho, le Brésil fait rapidement la différence. 62e minute, corner du Barcelonais, tête et but de Maicon, 1-0 pour les quintuples champions du monde. 81e minute, festival de Ronaldinho au milieu du terrain. Rony pour Diego, la frappe de Diego. Gawawi repousse, mais Ronaldinho a bien suivi. Le Brésil s'impose 2-0. Débute alors un second match où l'objectif est de récupérer le maillot de la star du jour, Ronaldinho. Et dans ces cas-là, Loulou Nicolin n'est jamais bien loin. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Je vous vois. Et vous voulez Ronaldinho? Moi je voulais Kaka. Je suis allé dans le vestiaire. Personne ne voulait après, il y en a qui s'est désisté, il avait pitié de moi. C'était mon petit frère qui m'avait demandé. Alors voilà Adam, je te ramène le maillot de Ronaldinho, malgré notre défaite. Mais comme promis, je te le ramènerai. Bisous.